Et salut tout le monde, la prise de son n'a pas marché, je le fais donc ici sous forme de commentaire. On est donc ici sur une idée d'application dans laquelle on entre avec les coudes. Et j'essaie ici de rentrer en utilisant les coudes pour ouvrir ta garde. Faut un peu plus de résistance. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que tu es dur et je n'arrive pas à passer au centre. Sinon, il n'y a pas de raison de faire autre chose que de rentrer dessus. Là, ça passe pas, j'utilise les coudes et je fais la place. Et on enroule bien autour de la garde de la personne en face. Là, en l'occurrence, il ne m'a pas donné exactement l'exercice tel que demandé dans la consigne, mais c'est pas grave, je m'adapte avec mon chi sao autour. Histoire de ne pas rester dans un schéma pur et dur, mais de rester dans le vrai concept de Wing Chun, on s'adapte. Donc autour de Thomas. Et là, on arrive sur une erreur classique dans cette section-là, qui est que les gens poussent avec les coudes devant eux au lieu de enrouler avec les coudes. Voilà, ça là, elle passe bien. Attention à ne pas se pencher en avant, ça aussi, c'est une autre erreur. Celle-ci était beaucoup mieux. La sensation pour celui qui a la réception, c'est qu'en fin de mouvement, on sent que ça penche vers le bas parce que la personne essaie de s'appuyer sur nous. Alors qu'on nous demande de garder une belle ligne droite parallèle au sol.